Kifran, est-ce que ton art porte un nom ? Alors, je reconnais bien là le journaliste en toi. Écoute, alors oui, évidemment que ça a un nom, parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des boîtes ou dans des avec des étiquettes, ouais. C'est comment ça marche. Et donc évidemment, il a fallu nommer cet art qui venait de nulle part. Alors, moi je me revendique un peu de Jean du Buffet, c'est-à-dire de l'art brut, hein, défini par Jean du Buffet, mais qui a évolué depuis le temps que Jean du Buffet l'a défini en tant que tel. L'art brut a eu de multiples noms. Alors, tu as art singulier, art hors les normes, art brut évidemment, art singulier. Mais tout ça, c'est à peu près des dissidences de l'art brut. Donc voilà, moi je me situe dans un magma de tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi j'utilise, je suis autodidacte, j'utilise vraiment les matières qui m'interpellent. Alors, ils sont par rapport à ton art qui, on le rappelle, est de l'art brut. Ouais, ouais, on va dire ça, art brut, art singulier, ça me va, de toute façon, tous les noms me vont, moi, en fait. Non. Donc, un premier investigateur, c'est quand même Du Buffet, c'est ça? Oui, c'est Du Buffet, oui, le Jean Du Buffet, qui a été le premier à définir l'art brut en tant que tel, quoi. Pour des gens autodidactes, et bien souvent... névrosé, hein. Parce que alors, lui a travaillé avec des patients. Je le rappelle, effectivement, tu es névrosé et autodidacte. Voilà, les deux, mon capitaine, et schizophrène parfois, mais bon, on arrive à s'entendre à tout ce qu'on est, à tout ce qu'il y a dans ma tête, voilà, on s'entend un peu, quoi. Alors comment est-ce que tu procèdes par rapport à ton travail ? Alors en fait, c'est là où je vais passer vraiment pour un déposé. Comment je procède ? Ben, je procède par récupération, tu sais, dans les sur les encombrants, ou quand je vais dans des déchetteries, ou dans la quand je me balade en forêt, s'il y a une souche qui m'interpelle. C'est une poutre en chêne que j'ai récupérée dans une maison en ruine dans les Causses de Lozère. Et voilà, donc qui était pourri, que j'ai gratté, tu vois, elle est bouffée au vert, et que j'ai gratté, mais alors le reste, ça va, hein, le reste c'est pas pourri en fait. J'ai gratté pour enlever les verres. Alors ça, c'est une de tes dernières œuvres. Ouais, ça c'est une des dernières. Alors tu vois, donc comme on parlait de matière la dernière fois, alors ça c'est une vieille planche à découper, hein, toute simple pour faire la cuisine. Hein. Et ça c'est un bout d'arbre que j'ai trouvé à côté là. Et évidemment, on parlait de Paris Dolly, on voit bien que c'est une arête de nez, une bouche, et comme un os frontal, quoi. Enfin, pour moi, dans ma tête maintenant, peut-être que les gens ne vont pas du tout voir ça, mais c'est le genre de choses. Donc c'est encore en stand-by, ça. Je ne sais pas si j'y mets des yeux, si je laisse comme ça. Si je le vernis, si je le fonce, je vais le foncer un peu au brou de noix. Donc voilà, quoi. Ton art, en fait, c'est ce que les gens ont envie de voir et envie d'interpréter par rapport à ce que tu proposes. Moi, forcément, ce que les gens verront, c'est pas ce que moi j'y vois. Et c'est tant mieux. Et il y a des choses que je... Moi, mon art, moi, il est fait pour que les gens réagissent, en bien ou en mal. Ça, je m'en fous un peu, en fait. Si la personne a une réaction, même mauvaise, j'en ai eu des gens, j'en chie un tous les jours, ben vas-y, fais-le, quoi. Mais déjà, c'est une réaction. Si j'arrive à faire réagir les gens, à les faire réfléchir, penser, même qui ont un dégoût en se disant, ben ça, ma gosse en fait un tous les matins, ça, je suis satisfait. C'est que l'œuvre a touché quelqu'un, quoi. À partir du moment où je les touche en bien ou en mal, moi, je suis satisfait de mon travail. Kifran, je te croyais célibataire, mais effectivement, tu as une petite oui, camarade, Maud. C'est ma petite Maud. Voilà. Alors là, je vous présente Maud Igliani, qui est ma compagne en ce moment. Hein. Elle n'est pas emmerdante, elle ne bouge pas trop. Elle a beaucoup de conversations. Mmh. Et voilà, quoi. Donc non, c'est Maud. Alors ça, c'est une installation, en fait, hein, parce que le buste n'est pas de moi. C'est un cadeau
qu'on m'a offert à Noël, mais c'est vraiment un buste, hein, donc il s'arrête là. Tout le reste, c'est de l'habillage avec de la récup. Donc les fringues, ça, ce sont des jambes récupérées chez un pharmacien qui était, qui s'arrête à la taille en fait. Et que j'ai habillé avec un, comment on appelle ça, un juste au corps, un collant. Et voilà, parce qu'en fait, elle est sur un piédestal, parce que tu sais, elle est plus petite que ça. Hein. Elle fait 1m30 un peu, quoi. Ouais, toi, tu les aimes petites. Oui, j'aime, ça dépend. C'est comme, c'est l'appel de la matière, c'est pareil. Kifran, tu nous parlais tout à l'heure d'installation, de sculpture, ouais. Mais aussi de peinture. Oui, ben là, c'est de, voilà, tu vois, c'est pas fini. Celui-là, si, il faut que je l'habille avec, comment on appelle ça, du bois trempé, tu vois. C'est pas bois trempé qu'on dit, il y a un autre mot, je sais plus. Bois moulé. Bois moulé, bois flotté. Bois flotté. Bois sans soif. À chaque fois, je me plante toujours avec le bois trempé, moulé. Ça, c'est le papier mâché et compagnie. Bon, bah, c'est deux toiles bah, voilà, qui sont pas finies parce que je sens qu'elles sont pas finies. Voilà, c'est tout. Donc là, elles quoi, elles restent comme, elles restent sur leur chevalet, à maturité. Alors moi, je suis quelqu'un qui prend son temps pour créer. C'est pour ça que je crée très peu, en fait. Je suis pas un artiste prolixe qui arrête pas de débiter de la toile par jour, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. Il faut que j'ai un arrêt, il faut que je les ai systématiquement sous les yeux et jusqu'à avoir le déclic. C'est pour ça que c'est un peu le souk. En fait, c'est ma maison, mais c'est mon atelier aussi, quoi. D'accord. Donc voilà, il faut que vraiment que j'ai tout à proximité dès que j'ai le déclic et que j'ai une idée. Et voilà, il faut que je mette là, à ce moment-là, c'est parti. Et souvent, j'en fais deux, trois d'un coup. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ? Non, évidemment que non. Là, je suis pas assez. Je suis pas connu, je suis un artiste fortement inconnu, on va dire. Non, j'arrive pas. Est-ce que j'ai envie d'en vivre vraiment ? Je ne sais pas. Si, évidemment, ça ferait du bien de ne pas avoir. À aller mailler pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Mais c'est pas un but en soi, en fait. Le but, il est vraiment de m'amuser, de faire des choses pour... la plupart du temps, les œuvres que... Bon, j'en ai vendu quelques-unes, hein, je vais pas te mentir, mais la plupart du temps, je les offre, quoi. C'est des cadeaux d'anniversaire, de Noël. Ça me coûte pas cher comme ça. Enfin, faut quand même la matière, et puis l'idée et le travail. Mais bon, et puis j'ai comme ça, je fais pas fonctionner le système. Hop. Moi, je sais pas, Boris veut faire un truc artistique avec la pose, avec la toge romaine. Oui, Kifran, tu me disais que tu mettais de la musique pour ton renard. Non, la musique, c'est bon pour moi, pour le jardin déjà. Et effectivement, ça fait double emploi parce que comme il entend la musique, il ne vient pas me bouffer mes poules. On te retrouvera du 1er au 15 juillet donc à la petite galerie à Bazas pour une exposition donc, d'art singulier où tu seras, je pense, le coq parmi toutes ces poules. Oh non.